La Twist! Le Labano Twist est un jeu de cartes évolutif. Il comprend une notice d'information et d'introduction aux éléments du jeu, une proposition de règles du jeu, et 36 cartes. Il est basé sur un système d'écriture graphique du mouvement nommé cinétographie Laban. La cinétographie Laban ou Laban Notation permet de transcrire tous les mouvements du corps humain, du plus simple au plus complexe. Elle a été développée par Rudolf von Laban et publiée en 1928 avec l'aide de ses collaborateurs dont Albrecht Knust qui publiera par la suite le dictionnaire usuel de la cinétographie Laban. Elle est utilisée dans des domaines très divers, conservation et transcription de danse scénique, partition de ballet et spectacle contemporain, mais aussi de danse sociale et traditionnelle et de pratique du mouvement en général. Ici, nous avons trois familles de cartes. Les signes de corps, les signes de parcours ainsi que les signes de direction. Enfin, nous avons 6 jokers, 2 par famille de cartes. Ils nous permettront soit de remplacer une carte manquante, soit de laisser libre cours à l'imagination des joueurs. La notice d'information et d'introduction aux éléments du jeu nous permet de mieux comprendre la signification des signes. Sur la partie gauche, nous avons les explications des signes de direction. Sur la partie droite, les explications des signes de corps. Au centre, ce qu'il se passe quand on les associe. Par exemple, si nous associons le signe en avant niveau moyen au signe du tronc, nous obtenons une inclinaison du tronc en avant, niveau moyen. En repliant la partie droite, nous avons les explications des signes de parcours. Les signes de parcours nous permettent d'identifier le parcours fait par un individu en déplacement dans l'espace, vu du dessus. Par exemple, nous avons les parcours droits. On imagine quelqu'un qui marche en traçant des lignes au sol.
et nous avons les parcours courbes, soit dans le sens horaire, soit dans le sens antihoraire. Au dos, un rappel de la composition du jeu. Ensuite, nous avons une proposition de règles du jeu. C'est une proposition à améliorer à volonté, mais qui permet d'intégrer en pratique les significations des cartes. Pour cela, nous avons trois rôles. Les maîtres du temps, les devins, et les interprètes. Un déroulement du jeu en sept étapes, à enchaîner et recommencer à volonté, permet de se familiariser à la lecture, l'interprétation des signes et l'analyse labanienne du mouvement, en y ajoutant un poil de contraintes temporelles pour amener un peu de défi. À vous d'augmenter, modifier et faire évoluer à souhait l'utilisation de cet ensemble de cartes et de faire usage du Labano Twist dans n'importe quel contexte.